Cette bestiole à la con. Je t'avais dit de prendre la route du cristal. Et je t'ai répondu qu'on était recherché. Tu préfères être poursuivi par tous les chasseurs de primes du pays? Et c'est un raccourci. En plus, tu trouves pas que ça fait du bien, une balade en pleine nature? Dégage. À la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir, c'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore. Malgré les insectes. On approche de la frontière de l'Empire. Ça va? On ne peut mieux. Si tu le dis. Ça, c'est vraiment un bon chien. Un chasseur averti et un fidèle ami. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor? Bon, faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit. Bonne idée. Je t'avais dit. Si grouillé de saleté, t'es prévenu maintenant. Mais pas de quoi faire peur à un assassin comme toi. Eh ben, ça promet. Moi, j'aime la nature, sauf quand elle mord ou elle pique. C'est par ici, Votre Altesse. En avant.
Bien joué, mon chien. T'es content ? Ça paraît dingue, mais je crois qu'on vient de voir passer le Dragon du Nord. Forcément. Le fléau a englouti cette région. Il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture. Eh ben, quand je parlais de saleté, je m'attendais pas à tomber sur un lézard géant. Essayons de le laisser tranquille. Ah oui, une autre précision sur cette forêt. C'est que la flore est aussi dangereuse que la faune. T'aurais pas pu le dire avant. Vas-y, Togo. Adieu. Ne débrouille pas. Terminé. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Ça suffit. Vas-y, Togo. Allez. Fais un bon jardinier, mine de rien. Allez, en avant. Vas-y, passe. Merci beaucoup. Même au beau milieu de la forêt, il y a des ruines célestes. Ouais, c'est pas ça qui manque dans les parages. Ça laisse songeur de se dire qu'il volait avant. Bref, on a fait le plus gros du chemin, là. On arrive bientôt. Suis-moi. Par ici! Vas-y, Togo. Allez, mon grand.
Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y, Kago. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Kago. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Son nid doit pas être loin. Fais attention. Bon, ben je crois qu'on va devoir changer de trajet. Là, j'avoue, je m'y attendais pas. Tu as découvert un autre passage ? Merci, Talgor. De ne pas rester là. Non, c'est sûr.
Petit contretemps. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça devrait pas trop nous retarder. Ah, tu parles, raccourci. Quoi? Ça reste plus court. Ça prend juste autant de temps. Un pro comme toi ne va en faire qu'une bouchée. Et bien sûr. Vas-y, Tarko. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Bien tenté. Vas-y, Tarko. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, me prends. Allez, me prends. Pas.
Tu es un émissaire. En effet, ouais. Je l'ai pas choisi, remarque. Faut croire que mon destin était d'hériter de ce pouvoir. Mais entre ma vieille carcasse et celle de Ramu, c'est pas facile tous les jours. Sid. Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs. Mais qu'as-tu à y gagner? Ce que j'ai à y gagner, la même chose que nous tous. Les droits qu'on veut et qu'on mérite. Mis à part leurs dons, les émissaires et les pourvoyeurs sont des gens comme les autres. D'ailleurs, on pourrait même se dire que nos pouvoirs sont une chose formidable. Mais on nous traite comme des moins que rien. On sert de nous comme si nous étions des objets. Mais nous sommes bien humains et nous méritons d'être traités comme tels. En somme, tu veux lever une armée et déclencher une rébellion. Ah, tu me flattes, Clive. Mais hélas, j'ai passé l'âge d'être une tête brûlée. Non, ce que je veux, c'est nous fournir un refuge. Un abri où on puisse vivre et mourir dignement. Clive, tu parles de te venger de cet émissaire de feu, mais tu comptes lui faire quoi ? Le tuer, bien sûr. Je lui ferai ce qu'il a fait à mon frère. Et si tu essaies de t'interposer, tu deviendras aussi mon ennemi. Eh ben, toi, tu sais mettre de l'ambiance. On sera à la nef en moins de deux. En moins de deux, bien sûr. Allez, prends.
Allez, mourant. Vas-y, mourant. Vas-y, mourant. Allez, mourant. Le doigt. Il est pas là pour la balade. Suivons-le. Alors ? Ils sont au village. Par là-bas. Je leur ai dit d'y rester. Beau travail. On se met en route. Et ma récompense ! Je vous ai été loyal ! C'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas. Mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces. Cette femme. Bénédicta Harman, commandante du corps d'espionnage valdois. Si on pouvait la capturer. Hé ! Posez vos armes à terre, les impériaux ! Pour 5 minutes, promis. Au moins, c'est pas un lézard géant. Lancez la Garuda ! Vas-y, d'accord. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Tu vas mourir. Vas-y,
Allez, mourant. Vas-y, Talgor. Allez, mourant. Vas-y, Talgor. Allez, mourant. Vas-y, mourant. Allez, mourant. Vas-y, mourant. Vas-y, Talgor. Allez, mourant. Vas-y, mourant. Vas-y, Talgor. Vas-y, mourant. Allez, mourant.
Il nous a pris pour des impériaux. Bah, faut dire que t'en as l'air. Ceci dit, tu te bats comme un vrai gardien de Rosalia. Et béni par Phénix, rien que ça. En parlant de ça, je me demande... comment est-ce qu'il peut y avoir un deuxième primordial de feu, selon toi? Tu ne me crois pas. Chaque chose en notre monde naît de l'union des huit éléments, dont les huit primordiaux sont les gardiens. Même un mécréant comme moi connaît cette vieille histoire. Et sur ce point, elle est claire. Le feu n'a jamais eu qu'un seul gardien, comme les autres éléments. Un primordial ne peut avoir qu'un émissaire à la fois, quand le poste n'est pas vacant. Ceci dit, tu m'as pas l'air d'un menteur. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous éclairer, alors assez bavardé. En route vers la nef. Nos amis Valedois y seront aussi, j'imagine. Alors pressons-nous avant la nuit. Et si quelqu'un découvre les morts? Bah, il restera rien pour eux, tant pis.